Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un problème sur la loi des gaz parfaits qui est à la page 28 du livre 1 de Mme Tournier, le 1.1. Le problème est indiqué qu'il est à TAPN, donc on sait que la pression va être à 101.3 kPa et la température à 25 degrés Celsius, donc il faut la mettre en Kelvin, il faut ajouter 273.15. Ensuite, nous connaissons la constante des gaz parfaits qui est de 8.314 joules par mol Kelvin. Et il nous demande de trouver le volume. On a un autre inconnu qui est le nombre de moles, mais ça, on peut le trouver parce qu'ils nous ont donné, au départ, on a 1 gramme de CO2. On connaît la masse molaire du CO2, donc on va trouver le nombre de moles qui va être de 0.022. Ensuite, nous utilisons la règle PV est égal à NRT, qui est juste ici. Fait que 101.3 kPa fois le volume qui est l'inconnu est égal à NRT. On isole le volume en transférant la pression en dessous. Et au final, ça nous donne un volume de 0.56 décimètres cubes.